Ça va être bien. Ouais. Honolulu, le voici, le voilà, Honolulu, un fils de mon jeu avec une mère par Darshan. La mère était hyper bonne déjà. Je cite sa mère, c'est Cerulean Sky, une lauréate du prix Saint-Hilary. Elle était entraînée par Robert Collet, la mère donc d'Honolulu. Gagnante du prix Saint-Hilary en 1999 déjà, une fille de Darshan, une petite fille de Low Society, donc un pur croisement de chevaux de 2400 mètres, puisque le père c'est mon jeu. Lui-même, Honolulu, était un excellent cheval, un stayer. Il était entraîné par Aiden O'Brien pour la Kazakh de Derek Smith, la Kazakh Coolmore. Il était l'un des meilleurs stayers, en Angleterre. Il a remporté plusieurs groupes. Il est donc issu du croisement Sadler Swell sur Darshan. Il est disponible en 2017, au Hara de Corlay. Oh là, une petite pirouette pour Honolulu. Le père d'Amijenka. Amijenka, c'est ce cheval qu'on a vu en course référence, on va dire, il y a quelques instants. Amijenka est issu de la première production de d'Honolulu. Et l'an dernier, Amijenka a remporté le tiercé Quintet Plus, le prix Mortemar à Auteuil en 2016. C'était donc la course référence qu'on a vue tout à l'heure. Amijenka, issu de la première production d'Honolulu, une production riche, qui est en gagnant en Angleterre, en Irlande également. Et Honolulu est père de vainqueur en Angleterre et en Irlande, en plat, en obstacle surtout. De nombreux produits d'Honolulu ont été exportés. C'est toujours intéressant d'entendre cela quand on est éleveur et donc vendeur d'une production, et notamment par Honolulu. Un fils de mon jeu qui fait la monte à 1 300 euros la saillie en 2017 au Hara de Corlay.